Haida Gwaii, l'archipel de Guayanas. Au sud de la péninsule de l'Alaska, une chaîne de montagnes volcaniques pénètre la mer. Nommées les îles de la Reine Charlotte par les explorateurs européens, elles sont aussi appelées les Galapagos du Nord à cause de leur beauté sauvage et une évolution distincte de celle de la terre ferme. Depuis plus de 10 000 ans, Haida Gwaii a été la terre de la nation Haida. Les totems au site d'héritage mondial de Skangwai sont gardés jour et nuit par les gardiens Haida. Chaque année, des centaines de ruisseaux gruis des saumons revenus chez eux pour pendre leurs œufs et mourir. À ce jour, aigles, ours et êtres humains partagent cette source importante de protéines. La mer abrite des mollusques, échinodermes, algues marines, crabes et toutes sortes de fruits de mer ornant les tables festives d'un potlatch ou agrémentant les menus de nos restaurants les plus distingués. Avant les ravages d'une épidémie de variole il n'y a que 100 ans, la mer nourrissait plus de 10 000 personnes qui vivaient, pêchaient et célébraient leurs fêtes potlatch dans les nombreux villages peuplant ces plages. Greenpeace est allé filmer dans les eaux entournant ces îles en septembre 1988. Nous espérons que les images que nous avons ramenées vont aider tout le monde à comprendre ce que nous risquons de perdre si on commence l'exploration des ressources pétrolières dans cette région. Le rocal bleu, la baleine grise, la baleine à bosse, les épaulardes, en toutes 21 espèces de baleines, rocales et dauphins vivent ou émigrent dans ces eaux productives. Les phoques et otaries dépendent aussi de la richesse et de la santé de cette mer. En 1987, après 10 ans de lutte environnementale avec les gouvernements et les industries, 72 Haida ont été arrêtés pour avoir résisté contre la coupe à blanc de leur forêt de Guayanas. Maintenant, le gouvernement a fièrement déclaré l'établissement de la réserve pour un parc à South Moresby. Mais le premier projet sur l'agenda gouvernemental et de chercher le pétrole à l'intérieur des frontières de ce que les politiciens appellent un parc marin. Dans cet environnement, hommes et femmes ont vécu une vie d'abondance en harmonie avec la nature depuis 10 000 ans. Une fuite de pétrole peut tout ruiner dans une journée. Les tempêtes et des fortes marées gardent les nutriments en circulation perpétuelle dans les eaux peu profondes qui encerclent ces îles. C'est la raison
de la grande diversité et de l'abondance qu'on trouve dans cet écosystème marin unique. Les tempêtes se développent très vite ici, et des vagues de 30 mètres ont coulé des bateaux de pêche qui se trouvaient à quelques kilomètres de la terre ferme seulement. Deux failles et trois plaques tectoniques, qui sont en friction constante, produisent des tremblements de terre intenses et fréquents dans cette région. Il serait difficile de trouver un lieu plus dangereux pour chercher du pétrole. Greenpeace, la nation Haida et tous ceux qui ont travaillé pendant 10 ans pour sauvegarder ces îles sont déterminés à garder Haida Gwaii intacte et impolluée à jamais.